nous sommes réunis ici ce jour pour la validation du plan d'aménagement et de gestion de cette ACCB que nous avons eu le plaisir de conduire jusqu'à terme. Dans la planification des activités que nous avons eu à faire, le budget planifié se lève à plus d'un milliard, 1,2 milliard, et la mobilisation des ressources financières reste un goulot d'étranglement dans de telles situations. Mais dans le document, nous avons proposé des options pour pouvoir mobiliser ce financement et nous savons compter sur les partenaires techniques et financiers qui viendront en appui puisque là, c'est un document de planification et les partenaires peuvent prendre et mobiliser et aider à financer un certain nombre d'activités. La communauté a un grand rôle à jouer parce que nous l'avions désigné aire communautaire. Donc, c'est la gestion par et pour la communauté. Et donc, le rôle à jouer par la communauté reste leur implication effective dans l'ensemble des activités qui seront menées dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la CCB. Et donc, par exemple, les actions de surveillance communautaire, les actions de reboisement, et les actions de mise en place de zones de frayeur au niveau du lac Aimé, dont les populations sont impliquées dans la mise en œuvre de ces différentes activités. Il y a eu des recommandations qui ont été faites à l'endroit du consultant. Et il s'agit notamment, par exemple, de revoir le statut de zonage du lac Aimé même et de revoir aussi la possibilité d'intégrer un certain nombre d'activités comme l'aquaculture au niveau de la CCB Lac Aimé. Je pense qu'avec les observations qui sont faites d'ici une dizaine de jours, on aurait intégré ces informations-là et avoir le document final à mettre à disposition de tous les acteurs.